Ici Jeffries. Félicitations, Jeff. Pourquoi? Eh bien, d'être sorti de se plaindre. On vous a dit que j'en étais sorti? C'est aujourd'hui mercredi, et 6 semaines se sont écoulées depuis que vous vous êtes cassé la jambe. Est-ce exact? Gunnison, comment avez-vous pu devenir un grand rédacteur en chef avec si peu de mémoire? Par l'ordre, la persévérance, un travail acharné qui m'ont fait apprécier par mon éditeur. Je me serais trompé de jour? 2 semaines. Vous pouvez compter. Non, comptez. C'est jeudi prochain que j'émergerai, ce maudit cocon. Ah, c'est ennuyeux, Jeff. Tant pis, on ne peut pas être peinard tous les jours. Oubliez ce que je viens de vous dire. Mais je vous comprends, Gunnison. Ce doit être affreux pour vous de me savoir encore dans le plâtre pendant toute une semaine. Ah oui, car cette semaine nous prive, moi de mon meilleur photographe et vous d'un bon reportage. Où ça? Bon, ce n'est pas la peine de vous en parler. Ah si, dites-le quand même, où? Au Cachemire. J'ai eu quelques tuyaux ce matin. Il se prépare là-bas des événements importants. Je vous avais dit que c'était dans ce coin-là qu'il fallait faire un reportage. C'est vrai. Alors, quand dois-je partir? Dans une demi-heure, une heure? Avec votre jambe dans le plâtre? C'est impossible. Oh, ne soyez donc pas stupide. Je peux prendre mes photos d'une Jeep ou juger sur un buffle si c'est nécessaire. Tu allais quitter ta place, je ne serai jamais mariée. Fleury, voyons.